Dossier Pasteur Marco a pris une autre dimension. Dans ce moment-là, des CPJ, la police, la justice, institution ça a activé dans des gwen Pasteur Marco et plusieurs gros responsables dans l'église évangélique Piscine Bethesda. Mais faut nous dire tout. Un pile fidèle dans l'église Pasteur Marco là, ils ont mobilisé parce que information qui arrive joint nous fait quoi que ministère de la justice, ministère des cultes a pris toute disposition nécessaire pour fermer l'église Piscine Bethesda. N'a venir avec détail pour vous dans un petit moment. Mes amis, concrètement, nous ouais Jean Bagayoko pour aller en Haïti là de mal en pire. Nous avons l'impression qu'on bagay k'ap préparé, qu'on bagay k'ap cuit sous dos Haïti. Gagné en pile disposition que divers pays dans moment là prend vis-à-vis de ressortissants. Pendant que ministre justice Emily Prophète Milsé qui chita sous même table avec chargé d'affaires AI américain Extromayer, madame là, li lance un SOS pour pays, pour la justice, pour la police, côté que l'a sollicité aide pays entre guillemets qui dit aux ses amis haïtiens. Eh bien, États-Unis pas bon côté pal décidé rapatrier rapide vite tout citoyen américain qui dans pays. Yo l'autre bon nous gè pays voisin nous, République Dominicaine, qui prend ensemble de décisions là qui impact qui a bien gros impact sous économie haïtienne. Nous pral barou détail, nous pral analyser situation yo ensemble, nous pral poser problème yo ensemble pour nous river porter des pistes de solutions. Bonjour bonsoir tout le monde, comment nous y est? M'espérer nous en forme. M'espérer nous parer pour émission. Jeudi, c'est jeudi 31 août 2023. Et yon mois août tête chargée, m'espérer ou t'es passé un très bon mois août. Et dès pour pas frapper tête zote, ou depuis femme ou t'es safe, ou gon seul bagay pou di, nan sokwea, remercier bon Dieu parce que ou vivant toujours. Et nan moment là, et nou gen an pil zanmi et Floride, nou gen an pil zanmi Caroline du Sud, et qui touché par ouragan Idalia. Et nous espérons le plus rapidement possible que le cyclone ait quitté le pays des États-Unis pour la vie continuer. Donc, ou même les amis qui, dans ce moment-là, le cyclone est tout chaud, nous pas attendu, nous faisons nos signes pour nous connaître que tout bagaille en forme pour vous, pour nous connaître que tout bagaille en forme pour la famille. Donc, c'est extrêmement important. Et avant même nous rentrer dans l'information, il faut que moi un petit temps pour parler de projet rentrer des classes. Et mes amis, projet a un pile promesse sous tête li, mais véritablement nous plus loin que nous plus près. Et ou même qui décide que va participer avec nous dans projet qui te fait nous promesse et très bientôt demain là c'est 1er septembre, même le nous pas réaliser projet a. Et pour réouverture des classes, c'était maintenant fin septembre. Il faut nous réaliser jusqu'à présent dans tout promesse. Il y a seulement 3 amis qui honorent les promesses. Donc, ou même, qui promettent un bagage pour nous aider les gens à l'année, pour rentrer à l'école, pour nous bailler quelques matériels, quelques équipements scolaires. Pas hésiter, prendre contact avec nous 3896, 3819 pour nous réaliser les projets ci-là. Et bon. Bon, je ne charge pas campé, non? Nous allons oui. Et si vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à abonner. Et toujours songez à activer la cloche de notification. Malheureusement, et nous allons rentrer dans le mois septembre, là, son mois tête chargé. Son mois côté que, en pile famille, courir quitter la caillou. En pile parent, en pile famille divisée, papa en bas, maman en bas, petit en bas. À cause gang, à cause bandit. Donc là, il n'y a pas un secret pour personne haïtien. Il n'y a pas un secret pour pièce haïtienne. Et pas du monde pas connaît que le pays d'Haïti, dans ce moment-là, il n'y a pas de diriger. Nous n'avons pas de nègres, nous n'avons pas de bourreaux dans tête l'État, nous n'avons pas de nègres avec femmes. Et qui seulement kembe un ministère en otage, qui kembe un fonction en otage, yo ministre, yo directeur général, yo secrétaire d'État. Yo kembe fonction en otage pour yo faire l'argent, continuer faire l'argent plein poche yo et jamais en mesure pour yo porter
satisfaction avec besoin population. Eh bien, depuis quelque temps là, CSOS a lancé. Que ce soit dans le centre-ville Port-au-Prince, Moun Kafoufeuille, Moun Turjo, Moun Debussy, et Moun Bois Patate, cap lancé SOS pour bandits, pour gang. L'opre en commune Pétionville, c'est même bagay là. Moun Pétionville, Moun Torsel, Moun Tabor, Moun Meyot, cap lancé SOS pour gang. Ou allez, ou décide de faire Delma Kounyea, Delma coup de balle fait Mikalou, bandi ap tiré, bandi ap terrorisé population. Nan j'ai toute autorité, nan j'ai toute soi-disant zanmi Haïti yo qui gagne représentation diplomatique yo en Haïti, qui gagne ambassadeur yo là, qui gagne consul yo là, qui gagne chargé d'affaires yo là, tout moun là, tout moun ap gardé, tout moun a vivre ça qui a passé en dedans pays en un moment là. Eh bien gagne mini justice et sécurité publique là, Emily Prophète Milsé. Madame Milsé, nous toujours en Haïti, j'ai autorité toujours prend plaisir pour y aller recevoir et don pour y aller recevoir aide, reprendre pour y longer main yo pour international là pour soi-disant paysan mio déposer qui chaine en main yo. Et bien gros flotte de véhicules qui vini pour PNH en même temps avec 6 blindés et nous t'ai acheté dans mes pays Canada dans mes in casse et entreprise. Eh bien, yon a vini nan moment la, tout bagay yon a coordonné nan l'idée pour permettre à PNH pour faire face à gang, pour faire face avec bandi. Mais ça nous pas comprendre. Pendant que pays sa yon ki di yon se zanmi Haïti, yon pare pou yon bay PNH en coup de main. États-Unis de pour échanger d'affaires là, de pour un représentant américain parler, yon toujours vanté quantité million yon mette disponible pour aider PNH pour accompagner policiers pour yo kapi performant pour yo kabay pi bon résultat. Et au final pour quel résultat? Au final résultat c'est qui s'allie ou bon mini justice qui lui même a coordonné toute activité PNH de concert avec premier ministre. Le chita sont en même table avec représentant États-Unis pour yo mande aide pour yo solliciter un coup de main. Et puis, ou pral wè, c'est même représentant américain, ça, à travers l'ambassade américaine, qui a demandé tout citoyen américain qui sous sol là, lasse bot nous, fè malet nous, quitte pays aller. Nous ka comprendre que, oui, États-Unis, gen souci pour protéger citoyen qui en Haïti, pour lever à bien-être citoyen qui en Haïti, parce que dans moment là, visiblement, situation compliquée en Haïti. Mais si on regarde de très près réaction changer d'affaire là qui yo même yo dou yo paré pour accompagner la police investir dans la police, c'est comme si investissement yo fait yo connaît c'est dans de l'eau yo fait yo connaît investissement yo fait pas porter résultat, pas porter rien de bon. L'argent yo mette dans la police là, machine yo bay tout ça yo dit yo fait comme encadrement pour PNH yo mette dans tête yo, ou comprendre c'est comme si c'est corps à fait. Parce que Jean Bagaylan yé là, nous gon déjà la police qui dit que yon prend toute disposition pour contrecarrer gang, pour contrecarrer bandi. Non seulement nous est bandi yo, pendant que PNH a parlé, déjà la police a parlé, gang yo même yon pose action. Et c'est ça nous besoin, c'est ça n'attend. N'attend que pour autorité en dedans pays yon, yon suspend parler, yon suspend rablabla pour yon sorti dans parole là pour yon faire action. Et si tes réactions qui t'es faites véritablement, journée jodi en la pays en pas côté lié. Journée jodi en, ça qui t'est passé samedi 26 août, dans Canal, côté un groupe haïtien, un groupe fidèle protestant, qui gagne en tête, li, on leader religieux. Marco Rezido, pasteur Marco, pour un paquet de fidèles, direction Canal, pour aller croire, pour aller démanteler les gangs, pour quand t'es moun qui mourit journée jodi en, bagay la patap jam passe, elle patap jam rife. Eh bien, qui sa bagay lan yi? Comme Haïti, c'est territoire perdu. Comme Haïti, c'est gang qui a fait la loi. C'est la loi du gang, la loi des bandits, c'est salié. Eh bien, dans le moment où on a parlé à la, que te la police, que te la justice, yon pas en mesure pour yon même ba un bilan partiel de qui quantité
fidèles protestants qui perdu la vie, qui massacré en bas mes gangs, en bas mes bandits canarans. Et bien, pendant que ces nègres canarans qui t'ont appuyé sous des tentes, qui t'a tiré, qui t'a massacré, qui t'a boulé, qui t'a raché avec manchette fidèle l'église pasteur Marco, yo, gros fixation qui fait sous pasteur Marco pour la police chercher mené by la justice besoin d'elle, des CPJ besoin d'elle. Eh bien, j'en ai gardé avec moi là, eh bien, il y a une note de formation que des CPJ publié et que Radio Télé Métronome yo relayé, côté que des CPJ via BAC, qui c'est bureau affaires criminelles, invité vendredi 4er septembre, pasteur Marco Relzidor, plus connu sous le nom de Marco, pour lui répondre à l'invitation que yo fait. Et pasteur Marco a gagné pour l'accompagner de trois responsables dans l'église, qui c'est Abia Bernardo, Mudland Montas avec Jonal Louisin. Dans ça qui vient pour eux, avec invitation précédemment que Marco a décidé, le commissaire gouvernement Kwade Bouquet a été invité lundi passé à pas mettre pied, eh bien, DCPJ, Bureau Affaires Criminelles en dedans DCPJ, invité pasteur Marco pour lui répondre à quelques questions. Fixation ça qui gagne, journée jeudi en sous pasteur Marco, pas gagne fixation ça par bon côté Jeff Canara, Mandil yo. Gen moun ki perdu la vie yo. Gen compatriotes ki victime. Oui, fok la justice, oui, fok la police, enquête et partager responsabilité yo. Ou même qui a gardé, ou même qui a tendé, nan dossier massacre que Jeff Canara, que bandi Canara yo, c'est sous fidèle pasteur Marco yo. Est-ce que c'est seulement pasteur Marco qui a responsabilité ya? Est-ce que c'est seulement l'église évangélique Piscine Bethesda ou responsable de l'église qui a responsabilité ya? Puisque c'est eux-mêmes qui t'ont initié mouvement, qui t'ont initié marchand. Est-ce que Jeff Canara bandit yo qui t'a tiré, qui t'a pressé sous des têtes là, qui t'a mis gros am fun froid dans main yo, qui t'a mis manchette yo dans main yo, qui t'a mis gasoline à kali met kap mete di fè tout vivant. Soit haïtien pareil yo, est-ce que yo même tout yo pa gen responsabilité dans ça passé a? Parce que comprenez bien, nous pas vinn des droits né pasteur Marco de aucune responsabilité que le gagne. Oui, faut que la justice tendel, oui faut gagner disposition qui prend. Ça nous clair sous lui. Mais cependant, si la vie moun sa yo massacré nan Canaran, fidèle pasteur Marco yo massacré nan Canaran, si autorité l'État, si l'État pays nous te prend la vie moun au sérieux, même pour une fois depuis l'air réel monté dans tête pays a monté sous pouvoir, yo t'a dit bon, c'est bon moment pour attaquer gang Canaran. C'est bon moment pour démanteler gang Canaran qui pral permettre que moun qui a vivre dans zone sous mat la tout ralon souffle, moun qui besoin faire et rentrer dans pays yo a tout ralon souffle avec bandi sa yo. C'est un bon moment parce que on groupe moun, on groupe fidèle protestant, on groupe haïtien que bandi yo volontairement yo massacre, yo fait vidéo, yo fait propagande, j'ai a touye moun, j'ai a cracher moun. Et puis en bas j'ai toute autorité, on nous croise bras, nous pas fait rien. Nous pas prendre aucune disposition depuis l'air même une photo de Jeff Canaran pas publié pour yo mettre à vidéo changer Jeff Canaran pour yo ta dit à plagier Interpol si toutefois Jeff Canaran ta gain intention fait quitter pays etc. pour barrer Jeff Canaran pas aucune disposition prend mais toute fixation c'est Marco et nous prale plus loin gain disposition qui apprend pour fermer l'église pasteur Marco nèg yo yo pranje koyo la pour yo fermer l'église pasteur Marco comme Marco li boude lundi passé à invitation que commissaire gouvernement Kwade Bouquet a te fait parce que Marco était clair li dit pou vini fòk Jeff vini tout et qui est-ce qui pral chercher Jeff pasteur Marco t'a pral chercher Jeff échec total kounya se job la police pour chercher Jeff. Non vidéo Jeff assume toute responsabilité rien. Non ça passe dans massacre qui fait Canaran. Jeff avec toute gang, tout bandit pareil lio. Yo accepté yo massacrer un groupe fidèle dans l'église pasteur Marco. Est-ce qu'on comprend? Mais dans moment là toute fixation c'est Marco lié seulement. Donc ça montre que
Nèg sa yo ki di yo se chef, yo se dirijan le dan peyi an, nèg sa yo yo pa vini pou yo rezoud aucun problème. Yo pa vini pou yo fini avec gang avec bandi vre. Et visiblement nou wè, si nan pouvoir l'état pa gen gang, pa gen nèg ki tap supporte gang, pa gen nèg ki tap kore gang, ki tap kore bandi. Bandi yo pa tap puissant comme ça. Bandi yo pa tap défier la police, bandi yo pa tap ridiculiser France LB. Moi m'a dit France LB ça honnêtement, ou pa besoin tann. Ou pa besoin vin tann, c'est réunion Ariel pral faire yo chita conseil des ministres et puis pou al révoquer ou. Pou sentou humilié. Pa besoin quitter c'est humilié nèg humilié là. Ou gen ta passé 2 ans fait preuve assez. Ou passé 2 ans bénéfice du doute là, te ba ou là c'est là. Ou te gen assez temps devant pour montrer bandi ou pas vinn jou, pas vinn rancer, c'est bandi ou vinn traquer, c'est gang ou vinn traquer. Mais en 2 ans sérieux, ou pas fait rien. Ou pas fait rien, moun a mouri, moun a tombé gang ak panterre et jounen jodi an là, nous admettre que Haïti majorité nan majorité côté nan zone et métropolitaine nan aire métropolitaine et Port-au-Prince c'est question bandi c'est nan même bandi lié c'est gang k'ap gérer c'est gang k'ap faire la pluie le beau temps là-dedans nous d'accord volontairement nous pour un pays nous diviser nous marcher les petits territoires gauche territoire à droite nan met tel gang nan met tel groupe bandi etc. volontairement si pays ça c'est pas gang qui t'a dirigé c'est pas bandi qui t'es dans tête li qui t'a prendre décision. Nous pensons que ce problème n'est pas à résoudre, le problème de sécurité n'est pas à résoudre. Entre 200 millions à 400 millions de dollars américains, yo dou que les Nations Unies ou bien États-Unis yo estime que yon force multinationale a coûté Haïti par mois. Entre 200 et 400 millions de dollars. Combien de PNH a besoin pour le camper, pour acheter bon équipement, bon matériel? Si nous gagnons 1 milliard, si nous avons 800 millions de dollars américains, il va d'appuyer le PNH. Mettez l'argent ça disponible demain matin là pour acheter équipement, pour acheter matériel. France LB, est-ce qu'il y a toujours une volonté pour résoudre le problème là? Est-ce qu'il y a une volonté pour aller traquer ISO, pour aller traquer Tilapli, pour aller traquer Vite l'homme, gang 400 Maozo, pour aller traquer Nexayo? Une volonté hein? Donc on va obligé continuer à prendre des faits, à cumuler des faits. Nous annoncer. Dans le commencement année, janvier nous annonçons l'opération Tornade. Vite l'homme comme réplique, il nous descend, peigne, crase, plate, sous commissariat peigne. Qui ça nous dit? La police annonce Tornade, vite l'homme baye goudou goudou. C'est comme ça nous te bagay la. Et jouk nan moment n'a parlé à la opération Tornade, l'an se passe là, font un image, arrêtons pas quel jeune femme, jeune garçon, et puis au dou que. Voilà, la police a mis des petites vidéos dehors, c'est propagande. Ce n'est pas job PNH pour nous faire propagande. Job nous, c'est marrer bandit, traquer bandit, éliminer bandit. C'est ça que job la police. Donc, malheureusement pour France LB, moi-même, dossier France LB avec PNH, je fais quoi sur lui? Pour moi, PNH n'a pas dirigé là-dedans. Honnêtement, pour moi, PNH, la police nationale d'Haïti, dans ce moment-là, elle n'a pas gagné chef, elle n'a pas dirigé. Ou montre son incapable, ou montre son menteur bluffeur. C'est ça. Nous disons nous mener opération, nous faire consolidation dans Kafoufeuille. Et si population, te au moins remettre confiance dans nous-mêmes, te au moins bail autorité en dedans pays, on ti cal, on ti cal crédibilité dans parole yo. T'as bon l'autre massacre là avant-hier. Après elle me fin parler dit toute bagaille sous contrôle. Toute bagaille sous contrôle oui dans Kafoufeuille. Et puis qui sa bandi grand avin yo fè yo monte, y a le prend sous commissariat sa van pistachan. Yo mette du feu, fè vide yo, comprenn? Soufflete PNH, soufflete DG la police. Pa un petit mot d'excuse, pa gen un déploiement qui fait pour al traquer bandi yo nan sa van pistache, pa un petit déploiement qui fait pour al traquer gang yo et nan grand avin, pa gen un excès. Là, on comprend qui est ce qui vrai gang yo, on comprend que jounen jodi an, nous même haïtiens qui a vivent en Haïti et nous c'est nous même y a traqué, c'est bête nous y a traqué, nous considérer nous comme bête comme poids yo, y a traqué nous, y a touyer nous.
C'est ça y a fait avec exterminer haïtien au profit de qui est-ce? Est-ce que plan, est-ce que objectif nèg yo yo atteindre là pour mettre pays en tête en bas? Imagine des séries de malheureux malheureuses dans tabac dans torsel, vite l'homme faire courir en bas coup de balle, moun yo al prend refuge. Tendez bien. Moun yo al prend refuge dans lycée Jean-Marie Vincent dans Carade. Bandi vite l'homme yo débarqué devant lycée a ouvert coup de balle. Gros jeune garçon qui relé et pouchou qui blessé par balle. Moun yo couri quitter caillou pour bandi, ou al prend refuge en lycée. Yo vini devant lycée a ouvert coup de balle dans barrière. Si a ouvert coup de balle dans barrière avant hier soir. Imagine yo ka un bon matin yo dou yo débarqué là yo ouvert barrière yo rentré. Yo touye moun yo massacre parce que c'est massacre nèg yo vle faire, c'est massacre nèg yo besoin faire dans pays. Moi m'ta parlé avec 11 ami qui t'a dit journée jodi Jean Bagay lan en Haïti même sous Duvalier qui ton dictateur oui sous époque Duvalier dictature dou oui ba yo pas comme ça tenir zinglendo c'est des séries de bandits qui qu'on a opéré la nuit par peur représailles population bien pour yo pas arrêter etc. Journée jodi là nous gien bandi gros la journée alors que gien BLTS lève nèg vite l'homme décider de débarquer tabac là. Yo gen BLTS tout près yo. Yo gen DCPJ pas trop loin yo. Yo a opéré 2-3 machines, 2-3 pick-up débarqué gros armes fin fois nan men yo, y a pouvè coup de balle. Yo campé là 2-3 heures de temps a pouvè coup de balle. Sans réplique. Pas aucun moun qui riposte avec yo. Alors ce que le dou sous époque du Valier Zinglendo sa yo. Si yo arrête on Zinglendo, si yo arrête on Zinglendo, y a bien suivi qui fait. Li font crime. Au moins te gen principe qui te édicté, au moins te gen la loi, au moins te bon justice, yo a besoin ni a traquer, yo a besoin ni quand même. Journée jodi an la gang yo, bandi yo c'est en dedans appareil justice yo caché. Pour la plupart. Pour la plupart bandi légal yo c'est en dedans justice yo. Gang ak sa pat yo, yo gen l'argent pour yo payer, yo gen moun yo, gen boss yo qui dans l'état kou mare youn. André Torello, ah son papa, la gueule moi gère ça pour moi même Géro. Son baie comme ça lié. N'a fait pays, pas fait pays. Nous pas fait pays et par rapport avec situation ça, il y a pile disposition que en pile le pays après contre Haïti. Nous gen pays voisin nous là, République Dominicaine. Et bien dans moment n'a parlé en là, République Dominicaine décidé et pour fermer frontière li gen avec Haïti au niveau de Belader et précisément dans Elias Pignas. Et mesure ça yo prend et bien entendu sous demande autorité haïtienne yo et qui estime que yo perdu contrôle ça qui a passé sous frontière là et parce que frontière là yo estime que gen en pile trafic qui a fait là gen en pile trafic d'armes gen en pile trafic balle qui a fait munitions qui a fait stupéfiants qui a fait là pour une fois et autorité estime que yo perdu contrôle et yo demandé à et ministère dominicain défense pour fermer frontière Elias Pignas. Mais ça pas fini. Eh bien, il y a un président Luis Abinader lundi passé qui a convoqué la presse dominicaine et n'a parlé présidentiel dominicain côté que l'État parlé sous dossier Haïti, t'a présenté situation Haïti là. Eh bien, dans le moment République dominicaine, ministère de défense dominicain, il prend toute disposition légale imaginable pour yo gérer frontière yo. Disposition sa yo, président Luis Abinader fait connait que yo prend 6 cas 15 septembre kap gen pour venir là et Conseil sécurité Nations Unies yo ta voté favorablement pour un déploiement force multinationale en Haïti vrai pour bandi pa courir quitter Haïti pour venir rentrer la caillou. Et li fait connait que République Dominicaine ni même li paraît en termes de sécurité, yo pare pour yo gérer frontière yo. Même affaire nous pas bon. C'est pas plus bon la caille voisin plus bon que ça, mais yo profite de situation haïtien pour yo cracher dans figure nous tout. Luis Abinader fait connait que bon, il pas joler nèg la facile gagne yo vrai. Yo gagne assez solde, yo gagne assez militaire pour gérer frontière yo. Yo gagne assez équipement pour répondre avec besoin de sécurité nationale la caille yo. Donc même le on bandi pour le pété t'a décidé courir quitter Haïti parce que il t'attendait gen force qui pral débarquer gen militaire étranger qui t'a qui pral débarquer pour venir en Haïti
et la cour la gè la République Dominicaine Abinader dit yo même yo paré pour gérer ça. Yo pas choisi intervenir dans question force multinationale là, yo pas choisi intervenir pour ba Haïti en coup mais dans question sécurité. C'est par rapport avec et passé historique yo, par rapport avec problème et occupation et République Dominicaine pendant 22 ans etc. Yo parlé pour venir gè tension entre Haïti avec République Dominicaine. Attendez tout bagaille, ou m'attendez États-Unis, Canada et la France, République Dominicaine, tout le monde qui montre une bonne volonté pour aider Haïti. Yo, yon pa gen sérieux à faire pour Haïti si autorité sa yo nou gen la, yo nou pa choisi faire recyclage. Nous pas choisi prendre nèg sa yo voyon côté, nous pa jamais ramasser yo encore. Mete yo nou coin, nous pa jamais chercher, nous pa jamais trier yo encore. Parce que nous pas arrêter avec une classe politique qui ke bon pays en otage. Nous rete là avec un paquet de mafia nan pouvo qui gen pouvoir économique là nan men yo, un paquet de mafia qui contrôle secteur économique là k'ap fait des faits. Nous pas jamais dit autant, nous pas jamais dit ça suffit. Et puis nous voulons faire pays, nous voulons continuer vivre tant que citoyen paquet le pays à vivre. Gros paquet de pays là nous wè yo dou pays en voie de développement. Qu'est-ce que pensez yo suivre? Yo suivre fonctionnement grand pays yo. Et c'est ça qui fait relé au pays en voie de développement. Pour qui ça? Tout rapport Nations Unies a sorti. Gagné organisme international et cap sorti rapport sur Haïti. Gagné rapport économique, rapport sécurité, rapport corruption. Haïti toujours dans quel camion? Haïti toujours dans quel camion? Ça fait ça. Pour qui ça leur a parlé de Haïti, c'est toujours dans catégorie pays qui plus pauvre. Alors que République Dominicaine, pays voisin nous, yo considère République Dominicaine comme un pays en voie de développement. Pas une question pays tiers monde encore. Soit en voie de développement bien pauvre Haïti jusqu'à présent depuis l'année jeune moun oui, m'a étudié pays en voie de développement, pays pauvre, pays tiers monde etc. Haïti te pays pauvre. Haïti still pays pauvre. Mais on pas sérieux. Nous pas sérieux. Président vini, président allé. Gouvernement monté, gouvernement descend. Payant toujours été même gens. Nèg yo contenté yo volé l'argent et m'pral finalement réaliser. nous pas son paquet autorité, un paquet dirigeant. Yo pas différent de un paquet dirigeant africain non. Nous apprendre que gen coup d'état qui ba au Gabon. Coup d'état bay, le yo arrêté petit président. Yo arrêté petit président. Li plein malet l'argent la Kaili. Li plein l'argent la Kaili. Est-ce que son banque lié? Est-ce que son banque petit Ali Bongo a gen la Kaili? Non. Yo arrêté président Sénat même bagay la. Nèg yo gen t'arrangé kò yo pou yo sauver yo jwenn paquet l'argent, paquet euro la Kaili yo. Ki sa lié nèg yo vann peyi an. Nèg yo liquide pays en bay la France, comprendre, yo a fait business et puis malheureux yo, yo nan extrême pauvreté, yo pa ka manger, yo pa gen courant, yo pa gen soin de santé. Nous pas différent. Nous pas différent. Journée aujourd'hui, c'est qui ça Ariel veut faire pays hein? Qui ça Emily prophète Milse veut faire pays hein? Est-ce que n'a plus vrai pays en bay gang totalement? Côté nous prendre assumer responsabilité nous pour nous d'accord pour nous faire une déclaration conjointe pour nous accepter et admettre que pays c'est dans mes gangs ou bien n'a continuer passer peuple haïtien non tintin n'a continuer passer diaspora non tintin faire moun yo croire que bon bagaille nous sous le point de résoudre x y z problème et puis par une merde qu'a régler. Bizarrement gagné et ancien député Jerry Tardieu. Et faut moi dit nous dans moment là Jerry Tardieu est vraiment présent dans diaspora. Dans pile communauté haïtienne dans différents états dans pays États-Unis, Jerry Tardieu est vraiment présent. Il y a pile diaspora qui connaît citoyen ça. Il gagne structure politique, il qui relé en avant. Il dans tout petit coin dans diaspora. Rencontrer haïtien, je suis parler avec haïtien, reprendre, présenter projet, présenter vision le voir Haïti comment le tarimé Haïti. Mais comment Jerry Tardieu ouais problème insécurité, problème gouvernance, comment le wèl nan moment là? Comment Jerry Tardieu ouais question gang nan moment là? Parce que l'autre dirigeant, t'es leader,
l'on considère tête comme homme politique, leader politique, ou gen mot pour dire. Diaspora qui présent, qui toujours participe dans toutes les réunions, toutes les invitations lancées. C'est qui ça le bral dit avec diaspora? Moun sa yo qui besoin rentrer en Haïti, qui ça le gen pour le dire dans la question insécurité? Eh bien, Jerry Tardieu qui a participé dans une émission avec le journaliste senior Wendell Théodore, Le Point, eh bien, bral invite ou, rale tichez ou chita. Pourtant, dès qu'il approche, Jerry Tardieu fait de l'insécurité, de gouvernance qui gen la, gouvernance Ariel Henry, gouvernement Ariel Henry la, façon Ariel Henry a géré l'argent de l'État, comment le PNH, comment le haïtien en moment là. Et partager émission, partager vidéo, en nous tenant ensemble, qui ça, Jerry Tardieu, gagne pour le dire. Kenyan doit prendre tête une force d'intervention en Haïti. Qui position en avant? Ou quand même le respect pour vous comme journaliste? L'un des meilleurs. Mais avec tout respect que j'ai pour vous, je dis que question mal posée, ou du moins, un ensemble de questions pour nous poser avant, nous aborder la question ça. Qui ça y est? Et vous permettre moi de dire qui ça y est. D'abord, avant d'arriver sur la question ça, il faut poser une question. Fondamental. Est-ce que la police nationale d'Haïti, je veux dire, des moyens financiers, techniques, logistiques, humains. Non, moi, je vais répondre à la question de l'autre gentil ou de qui nous a dit. Mes positions, moi, position. Parce que question de l'autre. Position brale claire. Non, par contre. Non, préalable, là, non, préalable, vous pouvez dire là. D'accord. C'est parce que la police n'a pas de moyens. Non, non, c'est une évidence. Non, on va pas préjuger de ça, moi, dit, permets-moi. Non, on va préjuger, non. On va préjuger. Est-ce qu'on cabane. C'est parce qu'on dit, avec tout respect, qu'on a moi, je vais poser la question à l'autre gentil. Et puis, élément de réponse ou avancé, ou dit, il faut nous poser la question, est-ce que le police a des moyens? Est-ce qu'il n'est pas capable? La question est posée. Oui. Les bras, je vais une réponse claire. Est-ce que... Par contre, réponse que je vais avoir, je vais un petit moment pour m'élaborer sur lui, parce qu'on ne peut pas verser dans une forme de simplisme. Dans ça, nous relève une question fondamentale et importante pour Haïti. Très cher. Qui nécessite... Cher député, honorable député, honorable député, ça n'a pas empêché que fixer position par rapport à l'arrivée éventuelle ou prochaine de la force. Souvent mon chance. Bien sûr, ma parole. Parce que si mes bitos là, c'est justement parce que faut être capable de parler. Bon, je pense que c'est très important pour nous faire débat ça, parce que débat ça sont débats fondamentaux. D'abord, la première question à se poser. Est-ce que la police nationale là, gagne les moyens techniques, financiers, logistiques, humains, pour faire face à sa nourrice, une menace sécuritaire de notre type? Ça veut dire de qui ça n'a pas parlé? N'a pas parlé de gangs qui lourdement armés, n'a pas parlé de gangs qui cintrent capital là, n'a pas parlé de gangs qui financent et qui substituent à l'État dans ensemble de zones côté que c'est eux-mêmes qui font circulation, qui collectent l'argent mais tap passager avec taxi moto pour quitter au passé. Un. Deuxièmement, force de sécurité, c'est PNH, c'est l'armée tout. Est-ce que vous l'armée en Haïti? Moi, j'ai le respect pour l'institution militaire, c'est au banon indépendance, c'est au briser chaîne de l'esclavage dans le pays. Mais l'armée d'Haïti, je dis, n'a pas existé. Nous avons des hommes en uniforme, on ne peut pas questionner la capacité personnelle. You know? Mais l'armée, c'est qui ça? L'armée, c'est capacité, c'est courage, c'est énergie, c'est puissance, c'est prestige, c'est prestance. L'armée, c'est d'abord des officiers, des soldats qui prêtaient un serment d'engagement. Ça veut dire yo sémenté que y a défendre yon population yon pays et que pa jamais retourner zam lan contre pays yo. Est-ce que nous c'est ça qu'a fait là? Non. Donc nous avons premier constat pour nous faire Wendell Théodore que gagne un problème avec les forces de sécurité. Ceci dit, faut nous appuyer, faut nous courir. Comment? Et c'est là la question m'a privé sous. Mais pour nous connaître comment nous pral aborder question sécurité, faut nous un plan sécurité. Est-ce que gagne une jodia si n'a tande bobré ambassadeur du Canada aux Nations Unies, li di ou li pa la autorité ou pa gagné. Et m'kwè pa gagné vraiment. Parce que qui son plan sécurité? C'est pour autorité ou ta gagné un chronogramme, côté ou di, mes budget, mes troupes yon besoin, mes équipements yon besoin, pour yon faire 1, 2, 3, 4, 5, pour yon arriver dans 6, pa gagné plan. Donc si pa gagné plan, quel que soit force, que le national ou bien externe, qui sa capable pote pour nous? Ça, c'est une deuxième question, faut nous répondre. Pour qu'on gagné plan, faut nous faire. Troisième question, qui légitimité moun kap mande force ça? Et là encore, nous tournons
dans la question politique, la question de la légitimité du Premier ministre Ariel Henry et la nécessité qu'il y ait un consensus politique plus large pour que lui-même conseille de responsabilité que le PAC prend lui-même. Responsabilité, ça, qui ça, c'est pour déterminer comment nous pourrons supporter la police nationale avec la main noire. Position PAN, c'est que premier objectif, nous, c'est sécuriser le peuple, c'est sauver le peuple, c'est libérer la capitale, libérer Haïti. Donc, dans ce sens, ça nous ouvert à une collaboration sérieuse. Ce n'est pas fini là, nous, qui a fait là, dans les Nations Unies, côté, il y a pour filer Haïti, il y a une patate chaude, et puis, il y a une jouette là, fila là, qui a fait. Non, non, non. En collaboration sérieuse, parce que nous pas peur parler avec les amis dans la communauté internationale. Nous avons libéré l'Amérique latine. Là, il y a un problème. Donc, nous n'avons aucun problème. Tout nous-mêmes, nous faisons partie d'un ensemble régional pour nous garder comment ils sont capables de nous. Seulement, là, nous attendons qu'il y ait 400 millions de dollars pour investir dans la force. Entre 200 et 400. Entre 200 et 400. On prend 400 parce que nous pensons quand même plus. Parce que ce qui va passer là, c'est que nous avons besoin d'un plan qui a gagné, en plus loin. Maintenant, samedi moi-même, 400 millions de dollars, ça. Faut nous garder bien, oui. Pendant que nous d'accord que nous prenons ça, nous avons comme assistance, comme courrier, comme support. Puis, il faut comme ça, tu as dépenser dans la police nationale avec l'armée d'Haïti pour que Haïti soit capable de défendre tête dans les 50, 100 et 150 prochaines années. Pour qui ça? Parce que nous prenons le son de différentes missions de Vinicio. 10 milliards de dollars plus tard, 15 ans après, des missions successives sur la justice, la sécurité et la police, pays a crasé, effondré. Les noms gangs, on n'a pas arrêté ou mettre ça de côté. Non, on a réfléchi comment nous prenons le rebat 4 là. Parce que qui ça a besoin aujourd'hui? C'est le rebat 4 là. Parce que on ne peut pas être menti. Comment nous, aujourd'hui, sommes capables de parler d'autonomie, de souveraineté? Là, on a parlé d'éducation, c'est UNICEF qui est plus impliqué. On a parlé de santé, c'est OMS. N'a pas de police nationale là, c'est France, États-Unis, Canada qui finance le député. Là n'a pas parlé agriculture, c'est FAO. Ça veut dire que nous avons une souveraineté qui est déjà limitée. Jodi a faut que nous prenions courage à demain pour nous chita avec international là pour nous garder qui accord, qui accompagnement, qui support yo pral ba nous pour nous résoudre problème de sécurité en ayant à l'esprit que de toutes les façons, la priorité des priorités c'est donner à l'armée d'Haïti et la police nationale, on va dire, les forces de sécurité publique, la possibilité de répondre à leurs devoirs patriotiques et à leur serment d'engagement de défendre la population à quel de ce beau pays. Après, Force Kenyan yo, fini en Haïti ou bien avant? Non, Force Kenyan yo, pas qu'à entrer en Haïti, sur la simple et bonne décision d'un premier ministre qui manquait légitimité. Force Kenyan a son proposition qui sous le tapis. Que moi-même, comme leader politique, je ne connais ni devant ni derrière, je ne connais rien là-dedans. Par contre, je connais que je prends une discussion politique avec les acteurs politiques et ceux qui ont l'effectivité du pouvoir pour moi comprendre qui ça gagne dans la proposition. Ça. Pendant que je parle à voilà là, je ne peux pas parler d'un bagage que je ne connais pas, je ne peux pas parler d'un bagage que je n'ai rien pour payer. Ok, mais vous avez dit là tout à l'heure que nous devons être ouverts à une collaboration sérieuse. Expliquez-moi ça. Il y a toute qualité de forme. En collaboration sérieuse, nous avons des policiers ou bien militaires qui ont volé hélicoptère, qui ont piloté hélicoptère, qui ont piloté drone, qui ont utilisé des machines capables d'être extrêmement sophistiquées pour identifier des individus mal intentionnés qui sont à 200 km à 300 km. Nous avons une collaboration qui est capable simplement de formation sur le terrain. Nous avons des accompagnements qui sont sur le terrain. Tout. Pourquoi pas? On grain objectif nous gagne. C'est retirer la population. Dans la misère, dans la tribu, dans la. Dans ça l'a passé à là. Parce que, imaginons en seconde Wendell Théodore, nek Jacmel. Que yon haïtien jodi, à cause de Jacmel, même j'en avoue, mais cause de n'importe qui côté, maman, même moun Jacmel. Grand-père, c'est mon okay. Mais sous beau papa, grand-père, c'est mon pestel. Grand-père, c'est mon courage. Mais c'est nek grand sud. Mou ka parler pour tout le monde grand sud. Ou son péninsulaire. Ou son péninsulaire. Mou ka parler tout le monde grand sud. Oui, Alain Hall, t'as content de ça. Mou ka parler. De pour mon grand jodi là on ka parler pour tout haïtien là on bade même dans diaspora pas grand haïtien qui fier jodi que nous obligé faire discussion ça a dit pour nous défendre pays nous obligé à regarder qui type de support qui doit en cadeau non par contre nous avons responsabilité historique tout ça plus important c'est défendre peuple c'est retirer parce que on haïtien Wendell Théodore leur regarder histoire nous
Ça dit, nous sommes le flambeau de la liberté. Nous te symboliser la liberté de manière universelle. On a, Jean-Jacques Dessalines te font constitution pour te dire, pour te dire, goutte noire. Dans sang, venez pour un passeport haïtien parce qu'on sont hommes, on femmes libres dans le monde. Mais mes amis, nous pas qu'à sortir d'un pays qui a un héritage ça. Et puis je dis à pour nous d'accord que nous pas qu'à même sortir la caille nous. Nous pas qu'à côté nous voulons ou pas qu'à jamais dans le pays. Il faut refuser l'inacceptable. C'est le sens de notre montée au créneau. C'est pour ça que je dis à nous dit, faut nous dit stop. Bah, il faut nous jouer une solution dans ce qu'on fait là. Et faut dire tout bien, c'est haïtien encore qui empêchait de circuler. Bon, le pire. Le pire encore. Pour quelle raison? Oui. Côté longtemps, dans une période esclavagiste, colonialiste et raciste, nous avons des gens qui sont dans l'autre pays, qui ont décidé de faire nous vivre dans la coubette. Je dis à ces haïtiens pareils, nous, qui ont décidé de faire nous même traitement, et peut-être, nous avons l'image canadien, puis mal encore, que ça a été fait. Nous ne pouvons pas accepter ça, il faut refuser l'inacceptable. Maintenant, député, c'est presque correct, pour me dire c'est correct, approche-toi. Mais maintenant, il y a péril dans la demeure. Il y a urgence. Il y a urgence. Ça dit, là, approche-toi, c'est il y a de mettre l'exécution à moyen terme ou à long terme? Parce que vous n'avez pas de bagarre, Mandela, là, député. Écoutez, nous avons un canard qui a envahi tout plein, non? Nous avons Matissan, village et autres. Ils sont capables de arriver dans le centre-ville, là, déjà. Ils sont capables de arriver côté où vous voulez. Nous n'avons pas pour nous faire ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Nous avons pour nous faire coulir. Et nous devons faire le billet. Ça veut dire qui ça? Son appel n'a pas lancé. C'est le sens aussi que nous montons au créneau pour nous dire acteurs politiques, pour nous dire pouvoir ça, pour nous dire nous qui avons responsabilité. Jodia, l'histoire pour le juger si vous n'avez pas pour faire ça pour vous faire. D'abord, pour le ministre, il faut comprendre que vous n'avez pas légitimité suffisante pour le penser le caboté. Bah, ça, sous l'eau. Non. Même bon. Sur route là, mais son appel, m'a fait parce que je n'ai pas qu'à. Je ne vais pas faire l'autre bagarre que ça m'a fait là. Ça veut dire que c'est conscientiser l'autre force vive pour nous dire, Premier ministre, il faut que les fonds effort parce que d'abord et avant tout, c'est les manettes dans le monde, il y a des discussions qui sont en cours. Il faut continuer. Un. Deuxièmement, du moment que nous avons volonté au plus haut niveau de l'État pour nous capables de faire un fonds commun par rapport à ce qu'a fait là, faites confiance. Nous ne sommes pas trop loin, capables de faire un consensus, un pacte. Maintenant, il faut que nous invitions tout l'autre acteur politique pour comprendre qu'il faut faire un dépassement de soi. Il faut nous inviter les forces policières avec les militaires. Des fois, ou pas obligé même de nous l'ordre de supérieur non? Pour faire ce qu'on pour faire par rapport à serment, engagement qu'on prend. Moi-même, pas qu'à comprendre que moi-même, son soldat, j'ai un uniforme kaki à son, j'ai un mari de la République à son. Et puis, le fini, mon peuple qui est en désarroi qui vient devant, qui dit, aidez me sauver. Et puis pour me camper. C'est-à-dire que nous comptons des officiers au état-major. Moi, même pas les questionner. Bonne foi, puisque nous tendons dire si vous avez capacité ou faire un bagage. Mais si vous avez l'autre qui va venir et vous voulez faire un bagage, ça m'a fait à la fin, vous faites tout. Ça veut dire que si vous n'avez pas de capacité pour faire ça ou pour faire, vous même pas prêt là pour servir votre. Parce que c'est ça que font en nom ou en fond dans la vie. C'est capacité, c'est personnalité, c'est dignité. C'est de ça qu'on a parlé, Wendell Théodore. Donc, on invite tout le monde pour faire face à la responsabilité par rapport à sa pays à vivre. L'information fait quoi que l'international, lui-même, bon côté parle, il souhaitait. Il est vrai que je comprends la réponse qu'on saute Bayalan par rapport à l'urgence qui gagne, ou même parler de certains préalables. Mais, député, j'en me souviens déjà, le temps presse, pile monde a mouru. Est-ce qu'il faut que. 2, 3, 4, 5 000 personnes encore qui mourent pour que gagne ce consensus que l'international a réclamé depuis quelque temps. Il dit que il souhaitait que gagne un consensus entre les acteurs parce que des gens qui pour étrangers vini, des gens qui pas d'accord, des gens tout qui posent conditions. S'il y a vini, mais. Pendant que nous tous oublions tout que, un, c'est nous qui mettons pays dans sa lière. Alors, deux. C'est important pile, ce que dire. Oui, c'est nous qui mettons. Nous ne pouvons pas toute la journée mettre sous l'autre responsabilité que nous-mêmes nous faillons. Nous aimons faire ça, et Wendell. Nous aimons dire pas nous-mêmes, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est pas vrai. D'abord, les premiers responsables du malheur haïtien sont les Haïtiens eux-mêmes. Et les Haïtiens eux-mêmes.
faut le parti de principe ça. Pas dit son base individuelle qui sont faits pour responsable, qui ça me fait pour responsable. Mais l'histoire est un tout, il y a pas de morceau d'histoire. Ça veut dire là nous prenons les 35 dernières années, nous garder nous que rêve démocratique là. Il échoué. Ça ne veut dire que pas de bonnes tentatives, ça ne veut dire que en par moment Aristide, Préval et on l'autre capable de faire ça ou de pour faire. Mais la réalité que nous vivons aujourd'hui c'est que son échec total. Et m'a profité dit là aujourd'hui que pendant n'a parlé de conjoncture, faut pas oublier que elle n'a préparé pays, faut regarder qui s'est passé parce que pas comme ça nous vivons côté nous là. Son pays aujourd'hui à côté gon bataille entre ensemble de monde qui certainement à l'aise avec statu quo, Jean Balaï et des monde qui vont véritable changement en Haïti. Et ça quelle que soit l'idéologie politique. Mais ça son l'autre débat. Moi même l'aime interpeller les acteurs, m'interpeller international là tout. Parce que, bon, je vous dis, on parle, on dit, on l'a dit, on l'a dit, on parle clé. Mais même dans la dernière élection, on a un slogan, Mantikaba, on fait le dire. Même international, là, qui a demandé à Haïtiens pour yo chita et pour yo gagner en position de patriotique pour le pays, de telle sorte que nous parlons d'une seule voix. On dit, on l'a dit comme ça. Mais yo même, yo pas sous même nous gagnons. Exemple, au niveau des États-Unis qui sont puissants amis, côté nous gagnons 3 ou 4 millions de compatriotes qui vivent. Mais souvent, nous avons l'impression que même au niveau de l'administration américaine, où gagne la Maison Blanche et le secrétaire d'État Blinken qui sont en position, et nous pas nécessairement penser que le State Department et l'ambassade des États-Unis en Haïti sous même longueur d'onde. Souvent, nous voyons que le Canada et les États-Unis passent sous même longueur d'onde. Très souvent même, nous voyons que la France passe sous même longueur d'onde avec le Canada. Et nous pas même parler de l'OEA qui pas toujours retrouvé avec l'ONU et en nous prend le CARICOM qui c'est dernière initiative là moi comprendre que bon malaise de la part d'un pile monde dans l'autre organisation internationale là que c'est CARICOM donc nous même même devoir de maison yo mandé nous faire nous même nous penser que faut international à tout eu égard à l'histoire d'Haïti yo gagné pour yo font réviser cahier pour yo même tout capable bon position sur Haïti cap aider Haïti. Oui, faut nous interpeller acteurs de point de vue national, mais faut nous... parce que bon dieu bagay. Police nationale la crase aujourd'hui, mais son financement est injecté par lui. Il y a une responsabilité partagée de l'échec de la police nationale. Nous pas là pour nous dire bon finalement on va nous voir tout à son tel, on va le modifier. Non, effaçons le tableau comme dit l'autre. Il faut une projection d'avenir, mais nous font bon diagnostic. Parce que si nous pas fait diagnostic avec honnêteté, nous pas fouti pour les bonnes dispositions pour l'avenir. Ma retourne sur international encore député. Avec plaisir. L'international dit puis en fait tu as venu déjà si me bien comprendre parole yo si haïtien yo te entendre si haïtien te jeune une position commune yo te jeune un consensus par rapport à yo. Je dis am gen position non l'autre monde gen position pas autour toujours est-il que c'est par centaines que haïtien a mouri. M'pa quoi. Bon, bonjour. C'est pas étranger ou bien international là qui pour imposer nous-mêmes pour nous jouer un accord inter-haïtien. Par contre, c'est vrai qu'un pile là-dedans, il dit que tu as plus à l'aise dans l'analyse du cas haïtien si tu as gagné en posture nationale haïtienne. C'est-à-dire que acteurs politiques ont une vision dégagée. Bonjour. Je dis à nous plus près que plus loin, il y a une position commune dans ensemble gros acteurs politiques. Et là, je me dis quoi? Il est difficile pour nous déterminer qui est-ce qui go ou pas go parce que son démocratie qui a pontigé là, tant qu'on soit de Chakamaye qui a essayé d'organiser lui. Et le concept de go ou de petit en Haïti, nous pays gagné 300 partis politiques. On nous dit que y a des partis politiques importants qui, je dis, hein, pas trop loin, gagné une posture, une position sous qui ta meilleure forme de gouvernance pour nous capables aller remettre sécurité, faire CEP, à faire élection. Nous t'a souhaité que le premier ministre lui-même qui a une position, on t'a capable de dire, encore plus importante parce que le pays a un homme lié, pas un homme ni moi-même ni moi-même. Donc lui-même, il faut le faire en dépassement de soi, même j'ai avec l'autre acteur, il faut continuer en tant que et au plus tôt que possible pour nous. Si nous sommes capables de jouer un côté, nous rencontrer, ça t'a bel en pile. Si nous-mêmes, comme force vive pays, nous sommes capables d'exemple ça. Et moi-même, je crois que le possible. Et c'est sans appel, nous matin. Député, est-ce que
OK, m'entendé appel là, m'entendé réflexion et m'comprendre approche yo, mais jodi a globalement nous non crise. Nous non crise, comme dit déjà que nous haïtiens nous créer. Est-ce que nous pas honte? Là me dit nous. Moi-même tout cas pose aux questions, est-ce que nous pas honte en tant que haïtien que nous pas jamais arriver entendre nous sur rien ou dis-nous plus proche de une solution jusqu'à présent? On est d'accord que c'est presque parole, député, nous plus proches là. Parce que tout le temps que nous n'avons pas gagné, nous vraiment nation, pas qu'on est que gagné, nous bagaille qui parle sorti, nous pas capable d'affirmer. Maintenant, est-ce que nous pas honte que c'est délégation de CARICOM qui a fait une première visite, une deuxième visite, une troisième visite pour essayer de résoudre le problème, jouer le rôle de médiation? Ça fait que nous pas capable de faire pour compte nos députés. Wendell Théodore. D'abord, question pas bon. Non, question bon. Ah question bon, okay. Pas fait ça. Pas fait ça. Moins fier que Maïsien. Moins fier de histoire pays. Moins fier de beauté pays. Moins fier de peuple. Moins fier de ça nous accompli dans l'histoire et ça nous accompli plus devant. Par contre, moins triste. Je vous dis que nous dans la situation que nous y a là. Et pas seulement triste, mais envie participer dans le changement pour retirer pays à la Kachouboumbe côté le retrouver là. Donc ça, c'est ça que m'a dit en première réponse à la question. Ceci étant dit, quand pile exemple dans l'histoire universelle, côté que on crise politique majeure dans le pays, avec, on est capable de dire, on bataille, on laisse frapper, on la guerre bouteille, tellement difficile, que c'est des entités régionales qui sont obligées de fouiller boucher la donne. Je dis, permets-moi. Nous pas contre nous, députés. Nous prenons plaisir à dire à chaque fois. Permettez. Nous pas qu'à réinventer l'histoire. Député, permettez. C'est l'OEA. Justement, député, permettez. Permettez. OK? Bien humblement. Je me permets, parce que si je ne me permets pas, je vais mon corps. Non, il n'y a pas radio, il n'y a pas télévision, il n'y a pas venir quand même. Non, on connaît. Même si je ne suis pas toujours sérieux. Même si je ne suis pas invité, radio va toujours invité, parce que il n'est pas résumé à moi-même. Député, oui. Nous gagnons une réputation que nous faisons, que nous capitalisons sous lui. Première République noire indépendante du monde. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Mais si nous faisons ça, alors que aujourd'hui, hein, nous avons observé passivement, tête baissée, situation ça, et puis nous attendons que c'est étranger pour venir aider. Nous ne pas même cacher ensemble pour nous jouer une solution à la crise là. Dans la Jamaïque, ça ne peut pas. Non, attends. Wendell Théodore, moi je comprends. D'ailleurs, ça dit à ou reflète un sentiment général. C'est l'opinion, ou porte-parole en opinion publique, ça dit à c'est la vérité. Mais la vérité, souvent, il y a une nuance là-dedans. Ça, moi je veux dire. On prend Jamaïque, par exemple. C'est une rencontre organisée par le CARICOM. Moi, je suis même allé dans la rencontre Kingston. Non? Mais Wendell Théodore, j'aime penser que je vais faire 3 jours. Et puis, je vais jouer une solution à un problème haïtien. C'est une rencontre qui fait partie d'un processus qui est plus long parce que le pays a crasé, parce que la société politique a balkanisé, parce qu'autour de la table, tout le monde passe sous même longueur d'onde. Il y a des gens vraiment qui l'a pour venir manger sous ses eaux. Il y a l'autre monde qui l'a pour résoudre le problème pour aller à l'élection. Donc ça veut dire que ce n'est pas Haïti qui est au premier plan en tête tout le monde. Non, mais il n'y a pas jamais comme ça. Il n'y a pas jamais comme ça. Ah, mais au moins, si la majorité a été payée, on dit, ouais, député, entendons-nous. Oui, non, mais Wendell Théodore, c'est-à-dire que. Réalité, nous pas qu'à changer ça l'IA. Ça veut dire que l'aimer même moins ou moins triste que nous pas qu'à avoir en entente nous même comme haïtien. L'accord inter-haïtien dont on parle, son bagage me pensait que nous t'étais qu'à avoir. Mais faut m'avouer tout, Wendell Théodore. Mais attention, mesurez parole. Parce que parmi nous sont acteurs politiques qui sont stables, t'as rien mes négociations, m'pas venir pour shooter sous personne. Mais c'est vrai que souvent, ou capable de voir des mouns qui sous table là. Qui passe sous même nos gardons, mais de toute bonne foi, même si j'en lié. Ou après, c'est Zambradou. Et vous avez une question haïtienne dans la nuance. Quel est l'acteur sous table là qui pas intéressé dans l'élection? Pourquoi ça? Parce que vous estimez aujourd'hui, c'est l'heure des grandes réformes structurelles. Ou pas qu'à faire honte, non? Son position. Je suis d'accord. Moi-même, pensez transition, c'est organiser, mettre sécurité, mettre élection pour que des élus aient légitimité pour achaviger aujourd'hui. Dans le bon sens. Par contre, c'est des positions différentes parce que nous sommes des acteurs politiques différents, parce que nous avons des idéologies différentes, parce que nous parlons pas les mêmes gens. Et c'est tout à fait normal. Mais en Haïti, plus que tout l'autre côté, parce qu'en Haïti, Wendell Théodore, la politique se fait malheureusement dans la boue et dans le sang. Et puis, il y a une intolérance tout.
ou pas d'accord avec moi là pour mourir pour ça. Mais c'est toute difficulté ça qui fait que nous pouvons arriver côté de Bralia. Mais si nous pas parler de question ça yo, nous pas capoton parole nationale. Et faut reconnaître que gagne difficulté ça yo, c'est pour moi qui facile maintenant sur la question de la médiation internationale. Et on va permettre moi c'est là me déboîte motion en table. Permettre moi pour compléter ça Wendell Théodore. Quel pile accord politique dans ces deux pays qui soit en guerre, soit dans gros déploiement politique qui négocie en dehors de pays ça yo. Simplement parce que condition dans pays ça yo peut-être pas permettre ça. Vous connaissez qu'en Haïti, il y a un plus gros problème qu'a gagné dans une discussion politique sérieuse. Voilà une discussion politique sérieuse qui est publique là. Et puis n'écraser li. Un exemple, question sécurité. Le bon pays ou une entité tant que CARICOM qui c'est nos frères nous qui gagne même histoire avec nous. Bookman c'est Jamaïque qui sorti. Le 14 août 1791, Bookman qui était sur Jamaïque, ban nous cérémonie bois caïman. Cérémonie bois caïman pour ban nous semaine après 22 août 1791, le premier soulèvement de nos ancêtres les esclaves de Saint-Domingue. Et c'est le moment précurseur, le moment fondateur, c'est lui qui pral ban nous 18 novembre Vertière. Et c'est lui qui pral ban nous 1er janvier avec l'apothéose haïtienne, avec le grand Jean-Jacques de Salines, le premier d'entre nous, qui pral déclarer au monde entier que mon pays crée Haïti, qui c'est le flambeau de la liberté. Et qui aujourd'hui, on t'a très remonté contre nous, si tu es là pour le vivre, ça n'a fait payer. Côté lié là, par contre. Même j'aimerais pas content, même j'en pas content. Par contre, même là, nous pas content, bon différence entre moi et avoir avec l'autre monde. Il me permet de parler pour vous. C'est que moi et avoir, nous pas décidé de battre bas. Et si là, je dis à ma prépondre une question et que monte au créneau, c'est parce que je viens interpeller la conscience nationale. Et c'est parce que je t'aide tous les matins qui fait que je connais même bagala dans le secteur d'activité. Ça fait plaisir, député. Merci. Bon, moi, nous avons l'autre bagaille. Je vais retourner sur le canal. Oui. Si vous êtes aux commandes, si vous êtes premier ministre, parce que j'ai en face de moi un homme d'État, ou ancien député, ou un monde qui aspire à n'importe quoi. Si vous êtes premier ministre, par exemple, drame ça a passé au canal, ça a fait. Premier, ça m'a fait, m'a monté au créneau pour me parler à peuple. Et là, m'a monté avec tout. Et ta major à côté, et m'a monté à trahir militaire sous moi. Casse-moi dans tête ou? Peut-être pas casse-moi dans tête, mais pourquoi pas? Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans la communication, il faut lancer des signaux. Où est Zelensky? Qui est en guerre? Monsieur, pas facile de mettre costume à cravate sous lui. Parce que le bon message, j'ai voué. Or, le gouvernement ça a choisi pas communiquer. C'est peut-être une stratégie. Mais le pas bon. Parce que première responsabilité au monde qui a dirigé, c'est communiquer. Et donc, premier, ça m'a fait communiquer pour m'expliquer ce qui passe. Parce que la conscience nationale, on t'y a révolté. Or, même là, on est capable de dire que les deux faits, mais pour avoir une responsabilité pour l'expliquer. Nous t'étendons, directeur police l'a monté au créneau et parlé, mais nous pas convaincus. Pendant que nous parlons, nous pas foutu de dire combien de gens qui mourent au canal. Nous pas foutu de dire qui ça fait pour ça pas fait encore. Bon problème. Donc, moi-même, je pense que c'est pas seul. Dit là, pas seul. Est-ce une stratégie de la part du pouvoir de ne pas communiquer? Écoute, et en communication, et n'a pas parlé sous contrôle de Jean-Jules Desaugustes, qui fait communication bien, bon, peut-être ne pas communiquer est une stratégie de communication. Je ne parle pas moi-même. Il a marché pour mon nuit, exemple. René Préval en 2006. Préval n'a pas jamais parlé. Pour gagner l'élection 2006, il n'a pas jamais parlé pendant période intérimaire, mais elle pas tout commande. Il est ton candidat. Elle marche pour lui. Mais là où c'est un officiel, où on devoir de rendre compte, ou obligé, dit citoyen, ça qu'a fait, et moi-même, c'est pas seulement pour Canada, non? Je ne seulement pas un exemple, René Préval. Ou pas Préval? Exemple, là, on compte pour qui ça? Dis-moi. Parce que moi-même, mal couvre une conférence de presse Préval, René Préval, plusieurs fois dans le palais national. Non, je parle de 2004-2006. Je ne vais pas parler de l'élite président. Ok, d'accord. Yeah, c'est de ça que je parle. Yeah. Il était pour choix de ne pas parler parce qu'il était un candidat qui était déjà accumulé en série d'actifs politiques électoraux. Donc, son autre bagage. Par contre, là, au timon des affaires, il faut parler. C'est pour ça que nous invitons le gouvernement pour le parler à le peuple là. Parce que y a une société qui perdue. Il y a une raison qui fait venir parler là. C'est que nous avons pile le monde. Parce que nous-mêmes, nous avons tout le pays, là. Nous avons toute diaspora. Nous avons des amis, des alliés, des sympathisants, des militants qui disent nous qui ça a fait. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est une question au monde pas. Oui, il a demandé un bon bozo pour lui. Il dit, comment nous faire élection sous base constitution actuelle, qui est déjà problématique?
Ça que me dit mon Paul, c'est parce que mon sale connaît que le travail côté fait à travers le pays pour recueillir des éléments oui. et des doléances, ça mon a souhaité, qui mode de constitution que Haïtiens ont souhaité. Mm-hmm. Mais malheureusement, son travail qui est dans poubelle en quelque sorte, député. Il n'est pas dans poubelle, Mabzo, pour qui ça? Je dis. Hein? Alors, poubelle à son parole. Non, parole, mais je comprends. Réponds aux auditeurs. Non, je réponds aux auditeurs. Moi, ça me voulait dire, c'est que. Il a raison. Et nous-mêmes, moi, sorti un livre le 29 mars 2023, qui intitulé Une dernière bataille pour la Constitution. Stabilité, sécurité et intégration de la diaspora. Titre là, vous l'avez dit, qui sentiment que traverse. Une dernière bataille pour la Constitution, ça veut dire une transition, ça. Il y a une possibilité pour nous mener une constitution. On ne peut pas être mentir, nous ne pouvons pas faire des gros changements. Mais par contre, il y a un ensemble de changements que Wendell Théodore doit faire. Il faut responsabiliser le chef de l'État. Il faut que nous assurions que le premier ministre, là, les nommés par président, nous ne gagnons pas le parlement, côté que pour un député ou un sénateur, les VMN, là, négocier COB, en éliminer l'étape ratification, ça, en mettre un magistrat dans chaque commune. Et magistrat, ça, la bonne assemblée communale formée des représentants des sections communales. Faut nous retirer à faire des charges, nommer député à sénateur. Son assemblée politique. Constitution, ça va être j'aime passer député. Vous te dites déjà pour la vérité. Vous te dites déjà. Il va être j'aime passer. Mais par contre. Parce que, écoutez, vos pères, vos collègues, au travail avec vous. Même te parler. Essayez-vous, bon Dieu, vos collègues, c'est votre premier obstacle. Non, c'est vous qui en face, moi. Alors, même dis-vous attention. Parce que son majorité. Par contre, un ensemble de députés et de sénateurs, toujours dit ça, parlement, il ne faut pas prendre le bloc et puis le conseiller de monde qui n'est pas capable là-dedans. Malheureusement, peut-être que la majorité, le bloc pour y acheter Kaye Ali qui était en face de nous, et puis il est fini qui ne peut pas permettre nous passer amendement. C'est dommage. Bon, partager une remarque rapide pour parce que malheureusement, nous avons bien arrêté de continuer. Mais il a bon oui, il a bien passé là. Mais pas de moyen, pas de moyen. Quand auditrice qui dit, pas mal de mon nom, parce que je ne suis pas bon nom. OK. La complexité est que en 1803, la faction qui s'était rangée derrière le leader pour l'indépendance est cette façon, est cette faction, pardon, qui constitue les gangs armés. Maintenant, son cas dit, à remarque ça. Vous voulez moi lire pour vous? Oui, lire pour moi encore, parce que vous bien comprendre. Ok. La complexité. Mm-hmm. Alors. Très bien. Ok. La complexité est que, en 1803, la faction qui s'est rangée derrière le leader pour l'indépendance, je comprends, j'imagine, je devine que c'est derrière des Salines, pour l'indépendance, est cette faction qui constitue maintenant les gangs armés. Non, non, je ne suis pas d'accord du tout. On nous commencé en 1803. 1803, qui est-ce qui mettait derrière Papa de Salim? Qui est-ce qui mettait derrière Christophe? Qui est-ce qui mettait derrière tout le généraux? C'est nos ancêtres qui ne pouvaient pas vivre avec chaîne dans pied. Ça veut dire que c'est des Haïtiens authentiques qui rêvaient dans l'autre pays. Ils n'ont pas rêvé de vivre libre seulement, non? Ils rêvaient pour faire de Haïti un grand pays. Attendez bien. C'est pour ça que les capres à la mort à attaquer Vertière. Et il te dit, toutes ancêtres qui te voulaient marcher dans la logique liberté pour marcher derrière, sinon c'est priorité pour vivre prisonnier des Français. Qu'est-ce que ça me blesse ou pas là? Moi, je pensais que l'équipe qui était avec Dessalines, Christophe, Pétion, Gabard, Clergé, c'est les premiers Haïtiens authentiques qui te gon vision de modernité, de progrès pour Haïti. Et yo-même, yo toujours là à travers le temps. Et jodi a, c'est pas ta ka yo-même qui mette yo en face de Haïti. Yon pays que yo wè comme pi bel pays dans Caraïbes là. Donc, moi, je pense que ça son erreur de oui, jugement historique. Pas tellement d'accord avec auditrice Santo, sinon que je ne pas trop comprendre. Questionnant. Bon, comment oui, la... Mais il était bon pour nous faire retour. Parce que il est bon pour nous faire des retours dans l'histoire. Vous comprenez ça, Wendell? Ou pas qu'à attaquer l'avenir, ou pas qu'à jeter pont, ou pas qu'à faire projection pour l'avenir, tout autant qu'on pas apprendre, quand on sorti qui est souillé, tout autant qu'on pas apprendre l'histoire peuple, et si on pas contre pays, ou pas contre histoire, ou pas contre culture, ou pas mériter servir pays à au plus haut niveau. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous insistons sur ça en pays. Qu'est-ce qu'on pense au décamandé, monsieur politique aujourd'hui, là, monsieur qui a fait politique, ce qu'on décamandé en peu de mots? Vraiment, je pèse mes mots, peu de mots. Oui, mais ça me demande, peut-être son baraque qui va faire me barrer ton petit genre condescendant ou même d'accord du même arrogant. Oui, mais ça me demande, c'est pour y remettre Haïti, puis plus.
souvent me connais des discussions moi manquer l'amour pour Haïti. Attention, c'est pas une généralité. De un pile acteur politique. C'est clair, pas de généralité. Ils font passage dans le parlement, mais qu'on livre les dans l'affaire du parlement, manquer l'amour pour Haïti. Donc premier temps. Par contre, gain ensemble des acteurs politiques et de forces politiques, m'a discuté avec eux journée aujourd'hui, ça fait un plaisir ouais yo. Yo voulez un changement pour Haïti. Yo d'accord pour faire un dépassement de soi. Ça m'a dit simplement, ça ne commence à faire que travail, son position pour nous capables favoriser que la transition réussisse, c'est-à-dire pour nous avoir un exécutif équilibré, pour nous qui proche de l'esprit de la Constitution, pour nous avoir un CEP qui est impartial, pour nous avoir une loi électorale qui est avec nous ensemble de bagailles, et surtout pour nous rétablir la sécurité, pour nous permettre à Haïtiens de vivre libre et libre. Eh bien, c'est un message à bien pour nous. Pour nous continuer de travailler, pour nous essayer de porter la partition, pas nous. Bien que nous connaissons, ce n'est pas toute la vie qui nous. Le monde qui est responsable, c'est une plus grande responsabilité pour faire face à ça qu'on fait là-bas. C'est un plaisir pour me dire au matin, en député. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. J'espère que nous sommes capables de parler encore, si Dieu le veut bien. Et puisque il faut presque chaque jour un message qui aille dans le sens de l'intérêt du pays. Et c'est peut-être une raison pour me dire au matin, je t'invite au matin. Merci, un peu. Vous permettez, il faut porter une parole haïtienne, il faut défendre Haïti. Il faut aimer Haïti. Il faut aimer Haïti. Merci. Merci. Je regrette auditeurs et auditrices, téléspectateurs et internautes qui bombardent avec questions, mais malheureusement, je ne tenir compte de vous. On a fait ça, on l'autre là. Ou pas gagner une adresse email ou moins, qui t'a parlé avec moi là, si vous voulez partager les informations oui, avec vous. Avec plaisir. Jerry Tardieu, J-E-2-Y-T-A-R-D-I-E-U, @gmail.com, numéro de téléphone même Kabaï et tout, 509-3701-8466. Et pour capable de suivre tout, sur tous les réseaux sociaux, et m'a répondre sur Instagram, ou bien écrire tout sur Facebook, et puis m'a répondre à la question, et puis on continue à faire parole à la marché en dehors des studios de Métropole. Alors, mon auditrice qui dit, mon autre auditrice qui dit que si les politiciens ont été suffisamment remis à Haïti, nous ne pouvons pas parler à nous hier. Peut-être. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nazis, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras le faire des bases, c'est toujours même Yannick, même voix.